Salut les amis, salut tout le monde et bienvenue une fois de plus sur votre chaîne de l'information préférée. Regardez l'Afrique qu'on a créée. Les manifestations pour la fourniture du courant électrique la semaine dernière ayant enregistré des violences dans plusieurs quartiers de la ville de Cancan continuent de faire parler d'elle. Depuis quelques jours, une série d'interpellations est engagée contre les présumés meneurs de ces manifestations. À en croire le procureur général près la cour d'appel de Cancan, Fallou Doumbouya, à ce jour, 22 personnes sont interpellées et placées sous mandat de dépôt à la maison centrale de Cancan. Le parquet général près la cour d'appel de Cancan porte à la connaissance du public à la date du 27 mars 2023 de 22h à 3h du matin, comme toujours pour des raisons de délestage électrique, que certains jeunes du centre-ville de Cancan regroupés au sein du mouvement dit « Pas courant, pas d'or » ont fait une manifestation d'une grande ampleur suivie d'une violence ennuyeuse dans les quartiers Bordeaux, Kimbo, Salamani, Kadaba et ils ont mis au point Missira et Sankefara pour ne citer que ceux-ci en barricadant les différentes carrefours et brûlant les pneus entraînés ainsi que dégradation de l'espace. Et bien les amis, c'est ce que prend fin notre petit bulletin d'information. Si vous êtes nouveau à la chaîne, n'hésitez pas à vous abonner pour ne plus manquer nos prochaines vidéos. Merci de partager la vidéo avec vos amis, connaissances et proches si vous la trouvez notamment intéressante. D'ici à là, portez-vous très bien.